très simple, c'est l'histoire qui se remet en marche. C'est-à-dire qu'après, grosso modo, 50 ans d'hibernation, avec un énorme iceberg qui était là, qui gelait l'ensemble de ces pays, les peuples ont repris leur marche, savoir qu'elles se remettent dans une position où elles se réapproprient leur destin et les conditions de construction de leur avenir. Et c'est de là où, en particulier à travers la jeunesse, cette jeunesse qui n'a pas connu toute cette période et qui, elle, est une jeunesse qui est sur Facebook, Twitter, Internet, etc., et qui communique et qui a des aspirations, des envies, des ambitions, des rêves, comme tous les autres jeunes de la planète, et qui donc ont envie de vivre leur vie, quoi. Parce que dans cette région du monde, en particulier pour la jeunesse, qui est quand même l'écrasante majorité en proportion de ses habitants, en Algérie, c'est 70% de la population, au Maroc, c'est à peu près pareil, en Égypte, etc. Donc pour elle, elle fait des études, elle est diplômée, ou alors quand elle ne fait pas d'études, elle est dans la rue, elle est vouée au marché parallèle, et pour elle, c'est de façon générale nos futurs. Donc nos futurs, et elle se retrouve dans un espace où elle n'a pas le droit à parler, elle n'a pas le droit à la liberté, et donc ça a explosé. Et donc là, c'est une les peuples qui se remettent en marche, qui veulent se réapproprier leur destin. L'Europe, c'est un formidable espace de paix, de sécurité, de prospérité économique qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale. C'est une réussite du point de vue, en tout cas, de la construction économique, moins sur le plan politique, puisque c'est une véritable bérésina sur le plan politique. Il n'y a pas de cohérence, d'homogénéité sur en tout cas, le discours et les attitudes que l'Europe peut avoir vis-à-vis de tel ou tel événement de la planète. Mais, en tout état de cause, c'est d'abord un modèle de prospérité économique. Et puis, cette Europe a aussi pu se construire parce que les schémas démocratiques, les schémas politiques, se ressemblent à ces schémas, se sont inspirés, bien sûr, des conquêtes de la liberté, à savoir surtout les droits de l'homme et la Révolution française qui a délivré un message universel au monde. La Révolution française n'appartient plus à la France, elle appartient au monde entier, elle appartient à la conscience universelle. Et souvent, à la fois, les luttes de décolonisation il y a 50 ans se sont faites au nom des valeurs de la Révolution française et des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Et aujourd'hui, cette remise en route des peuples se fait aussi au nom de ces mêmes idéaux. Donc, elle attend beaucoup, beaucoup de l'Europe, beaucoup de la France, qui malheureusement n'a pas toujours été au rendez-vous dans les premiers instants, je dirais, tunisiens ou égyptiens de ces révolutions. Mais ça va certainement, la France va se rattraper. Mais elle attend beaucoup en termes d'encouragement, en tout cas aux forces vives, démocratiques, réellement démocratiques, à savoir les forces syndicales, les forces politiques, les forces associatives, surtout qu'elles soient présentes dans la conquête des droits des femmes, puisque malheureusement, ce sont des espaces, des régions où la femme a été maintenue dans un état de tutelle, de minorité, de domination sans partage. Donc l'Europe aussi attend beaucoup, enfin ces pays-là attendent beaucoup aussi de l'Europe. Donc voilà, donc une très très grande attente.